Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle saison qui va enfin démarrer, ça y est, après un long moment d'attente sur Football Manager 2022. Notre carrière from the bottom to the top, démarrer sans emploi, sans diplôme et ça y est, go, la Ligue des Champions. On est actuellement avec le FK Oda, notre premier match c'est directement contre Doga Spils, qui est quand même, je rappelle, un de nos... Allez, on peut le dire, un de nos rivaux. Dans cette lutte qui nous incombe pour ne pas être relégués, on a tout changé en termes de tactique. Je vais vous montrer d'abord les résultats de cette fameuse tactique. On a eu du mal face à nos U18, mais en même temps ils utilisaient strictement la même que nous, donc bon. On a mis 6-3 à Tonkouns, fait 3-3 face au Spartax. Un petit match inutile ici, 3-0 qui fait plaisir. Lié Padja qui nous a battu, et enfin on s'est remis en confiance là, juste avant Doga-Spils. La tactique, qu'est-ce que c'est? La voici. J'ai fait un test ultra pressant. Le but, c'était d'avoir un très 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 gros pressing avec en réalité des attaquants qui vont pas forcément être ceux qui vont le plus marquer, hein, Konovalov et Zvisenko ou Lüttich Erexa. Enfin, vous allez voir, ça tourne pas mal. Ont marqué hein, pendant la. Voilà, si on regarde Lüttich par exemple, il a fait 4 passes décisives, un but en 5 matchs. Louakov, il me semble, ouais, c'est ça, il a mis 3 buts, une passe décisive. Enfin, c'est une technique ultra offensive. Konovalov, lui, il a fait des passes décisives. Et c'est surtout nos arrières latéraux qui. Bon, Novik, c'est pas le bon exemple parce qu'il a pas très bien réussi. Mais c'est eux qui sont censés apporter cette dernière passe. Ils ont un peu de mal pour l'instant pour démarrer. Mais ils sont censés apporter cette fameuse dernière passe. Alors, qui est arrivé que vous n'avez pas encore vu? On va commencer par Davlatov, que j'ai mis avec Loakov. Pourquoi? Parce qu'il est aussi Tadjiki cette année. Une fiche plutôt très correcte hein, quand même, qui nous vient en prêt gratuit du Dynamo Kiev. Le 12 en dribble, en finition, en technique, 13 en sang-froid, 14 et 12. Je pense que on peut s'attendre à quelques petites choses de sa part, je l'espère en tout cas. Il est arrivé là, il a fait que le dernier match, donc bon, pour l'instant on n'a pas encore pu bien le voir. Zylenko qui est arrivé, très bon milieu central. On regarde, il a une fiche qui n'est pas dégueulasse du tout. Ça augmente un petit peu. Et surtout, bah, il est laiton. Ça c'est cool. Qui d'autre vous n'avez pas vu? Alors non, ça c'est bon, ça c'est bon. Je ne sais plus, tiens, qui est-ce que je ne vous ai pas montré? Depuis le temps, moi, ils sont tous là. Ça a été très très long hein, de préparer tout ça, je vais pas vous mentir. Alors, c'est vrai qu'on a du monde qui est arrivé. Du coup, j'ai montré. Alors, Vanin, Ignus Vanin. Voilà, un petit jeune que j'ai recruté pour l'avenir, laiton. Pareil, gratuit. Teremko, bah, c'était la. C'était l'erreur de casting, dommage. Il me plaisait bien avec sa vitesse, finition, c'était les seules informations que j'avais déjà, une grosse détermination, mais malheureusement pour nous, il a déjà atteint son plein potentiel. Donc bon, je l'ai tout de suite mis sur la liste, on verra si on arrive à s'en débarrasser plus tard. Ensuite, un gardien Stourins, jeune gardien, petit potentiel sympathique, des notes qui sont quand même déjà pas mal. Le problème, c'est la détermination qui n'est pas très élevée. Voir ce qu'il va nous faire en U18 pour monter ensuite avec lui. Zelenko s'est montré, il nous vient de Riga. Les deux, Sturings et Zelenko, nous viennent de Riga. Nous vient de Lié Padja, du coup, un autre gardien, Brother. Pareil, un potentiel intéressant, une bonne note. Le problème, encore une fois, le 4 en détermination, pas terrible du tout. Il fait pas grand-chose à l'entraînement, donc bon, j'espérais qu'il puisse chez nous se relancer, mais ça va sûrement pas être le cas. Et enfin, les trois joueurs qui nous viennent du Spartax, Alpins, du coup, vous avez vu qu'il va prendre la place au milieu central en tant que box-to-box. Des notes moyennes, hein, en somme toute, mais assez intéressantes, un bon jeu collectif, une bonne projection vers l'avant avec son accélération, son anticipation et sa vitesse, une bonne endurance. Donc à voir. Ensuite, Sakurov, défenseur qui est avec les U18, pareil, un énorme potentiel lui. Je suis très 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 content qu'il nous l'ait laissé. Il a fait un petit match hors compétition, il a mis un but avec nous. Et puis voilà. Donc ouais, encore, bon, le marquage a amélioré bien évidemment. Mais bon, c'est un petit jeune, 21 ans, gros potentiel.
Pour un défenseur central, ça devrait aller. Le seul souci, c'est sa détermination à 5. On espère qu'il va y arriver quand même. Et enfin, Lotikov, défenseur central, 23 ans. Lui, il est dans l'équipe première. Il est remplaçant en équipe première. Une belle fiche, Letton. Voilà, je me suis dit qu'on aurait sûrement de quoi faire avec tout ça. Et là, j'ai réduit les dépenses, hein. Il y a des gros salaires qui sont partis. Le but, ça va être de perdre un peu moins d'argent, parce qu'on perd beaucoup d'argent quand même par mois. Et ce, depuis qu'on est arrivé il y a longtemps. Du coup, le 11 de départ. Oui, c'est vrai, Lens a perdu sa place. J'ai oublié de vous montrer pour Valsinki, qui a fait des meilleurs matchs de préparation, tout simplement. Hein. Il a fait des plutôt bons matchs, alors que Lens, les fois où je l'ai utilisé, il a fait boulette sur boulette. En un match, il en a pris 4. Voilà. Je vous avoue que c'est pour ça que je ne l'ai pas remis depuis. Du coup, Novik Ehling, le défenseur allemand, en défense centrale, du coup, avec Gulzinski. Je suis en train de me dire, peut-être inverser les deux d'ailleurs entre Ehlings et Gulzinski. Juste parce que Ehlings est de droitier exclusif. Bobrovic, ici à droite. Du coup, on a Alpins, comme je vous disais. Ulimbazev qui va rester là. Konovalov qui s'en tire avec plutôt, enfin, plutôt bien de ce côté-là. On a du monde. Hein. Rexa qui est très bien pour rentrer. Donc bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Je me fais pas trop d'inquiétude pour cet effectif-là. Zivsenko, c'est un Zivsenko, pardon, que vous n'avez pas encore vu, le voilà. Il est gaucher, c'est pour ça qu'on le fait jouer à droite, se rentrer sur son pied. Un jeune Biélorusse, 19 ans, une forte détermination, peut beaucoup progresser cette saison en jouant. A fait des belles choses là, quand même. Deux buts, une passe décisive là durant les matchs, en sachant qu'il est rentré 4 fois en jeu. Il a fait qu'un seul match en tant que titulaire, donc bon, ça me semble plutôt intéressant ce qu'il est capable de faire. Voilà. Et enfin, bah, vous connaissez hein, Loakov et son compatriote devant. Et c'est parti du coup pour. Ah non, attends, j'ai pas les trois. Pourquoi j'ai pas les trois? Ah mais oui, il s'est blessé, je suis bête. J'avais les trois, mais Minkiewicz vient de se blesser. C'est pour ça que je les ai plus. Et bah voilà. Je savais qu'il y avait un truc comme ça. Ok. Ah zut. Bobrovic, il n'y est pas. Bah, mon gardien est sur la liste. Hein. Soyez pas étonnés. J'ai plus de joueurs formés qu'avant, hein, quand même. Ça va être intéressant pour nous. Vanins, là, qui, je pense, peut faire de petites choses sympathiques aussi. Avec son 15 en détermination, il y a moyen qu'il augmente. Du coup, nous disions. Bah, je pense que c'est Ulibazev qui va laisser sa place. Hop là. Et comme ça, on aura les trois. Parfait. Allez, valider, c'est parti. Du coup, les maillots, le 20, Davidov, le 9, même si je le laisserai bien, le 9 à Loakov. Loakov, c'est le numéro combien? Même pas la loi code. Bon, voilà. On va rester comme ça. Ah si, c'est le 25, voilà. On va inverser entre les deux quand même. Loakov qui a fini notre meilleur buteur la saison passée. Ah oui, pour l'instant, ils la connaissent pas du tout. Ils ont du mal. Tiens, pourquoi c'était écrit en anglais là? Encore des petits bugs. Allez, prenez du plaisir aujourd'hui contre Daugavpils. On va voir ce que ça va donner. Hein. L'an dernier, on n'a pas fini très très loin d'eux. Alors, tiens, je vais modifier les affichages comme ça ne m'intéresse pas. On va mettre le classement en cours ici. Et la position moyenne. Voilà. Plus intéressant quand même.
les encourager. Pour l'instant, on a plus d'expected goal en une seule frappe. Attention. Ouh, Idowu qui a failli se rappeler à nos bons souvenirs. Il me semble qu'il vient de chez nous à la base, Idowu. Allez. 20e minute de jeu. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Beaucoup de tirs pour Dogafipils, mais très très peu de tirs cadrés. Ouais, on a du mal. En match de préparation, ça allait mieux, mais bon, c'était pas. On sait bien que c'est pas la même intensité. Il va falloir voir ce que ça va donner là en match réel. Bon, déjà, si on ne perd pas contre Dogashpil, ça serait intéressant. Quand on regarde, on est légèrement au-dessus en expected goal. On en a eu beaucoup au début. Et c'est remonté sur la fin de mi-temps. Il va falloir que ça s'améliore un peu tout ça. Ouais. Ok. Ensuite, devant là. Je sais pas ce que vous me faites, mais c'est de la merde. Derrière, ça va. Derrière, ça tient. C'est les quatre de devant là qui font pas le taf. À ce qu'on peut voir, c'est ceux qui ont les mauvaises notes. Allez. Que j'essaye de vous montrer un petit peu, voilà comment ça joue. C'est les centraux qui lancent les arrières latéraux. Normalement, il est censé revenir, voilà, avec Konovalov qui sente et la frappe et le but de Marcus Alpins. Parfait, ça. Il est parfait. Marqué comme ça pour son premier match, Alpins. J'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur. Et c'est lui en plus qui était à l'origine en ayant Minovic comme ça sur le côté. Voilà, Konovalov, la passe décisive. Très très bien tout ça. Absolument parfait. Allez, ça serait bien si on peut prendre des points tout de suite comme ça contre des équipes qui sont censées être au même niveau que nous pour la fin de saison. Leur mettre tout de suite des points de retard. Allez, attention quand même, parce que Dogashpil, s'ils vont sûrement pas s'arrêter là. Le centre, c'est dégagé par Elling. Ouais, c'est bien ça. Voilà, on repasse derrière, tranquille. Et maintenant, tu le lances. Mais non, jouez pas comme ça avec le feu! Oh là 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 là. Je sais pas ce qu'ils me font là, c'est pas du tout ça les consignes. Et voilà, ça perd la balle parce que ça veut porter. Allez, belle interception. Konovalov, ouais, bien, tu l'as vu. Davlatov pour son premier match avec nous et son premier but. Est-ce qu'il était hors jeu? Ah, je crois pas qu'il soit hors jeu. Hein. Donc, normalement, ça fait 2-0. C'est parfait, ça. Exactement ce qu'on voulait. Allez, on va les féliciter. Ça s'est décanté en début de seconde période. Là, en moins de 7 minutes dans cette seconde période. Et voilà, on est dans un jeu box-to-box avec des ballons qui vont passer par au-dessus, derrière les lignes. Mais ça marche plutôt bien du coup. Attention quand même, nous aussi on se fait avoir par les longs ballons par-dessus. Ok, c'est bien. Bobrovic qui va lancer, ouais, mais ça c'est un ballon lancé au hasard. Allez, Zivkovic. Ouais, bien, revenir derrière, faire tourner avec les milieux. Zelenko. Et le doublé! Et le doublé pour Faridin Davlatov. Absolument magnifique, je pensais pas du tout qu'il allait la remettre là. Et 3-0 contre Dogashpils, ça se présente plutôt bien pour nous. La petite passe là de Zelenko, bim, qui revient sur... À droite, ça revient tout de suite au centre. Et ça fait but. C'est magnifique tout ça. Mais bien sûr qu'on les félicite. Attention quand même, hein. C'est pas parce qu'on en a mis trois rapidement là qu'on peut pas en encaisser un nous aussi. Et voilà. Bokhan qui nous remet les pieds sur terre quand même. Il nous rappelle que c'est pas encore fait. Ah, il nous a bien eu là. Et les milieux, par contre, qui se fatiguent très très vite avec cette tactique.
Novik, magnifique coup franc réalisé là. Allez, Konovalov pour le corner. C'est tiré, premier poteau, c'est raté. Et ça va être dégagé. Ouais. Je suppose que vous avez suivi, hein, mais avec la mise à jour, du coup, maintenant, les corners premier poteau rentrent beaucoup moins souvent. On marque toujours hein, sur corner, il n'y a pas de souci. Quand vous avez des bons tireurs de corner, des bons joueurs de tête, ça continue à rentrer, mais pas avec la même facilité. Allez. Alors, je vais mettre un peu. Pourquoi je peux pas mettre ça moi là? Ouais, je sais, mais bon, c'est pas grave. Je voulais faire. On va faire comme ça pour faire sortir le carton. Et comme ça. Voilà. Normalement, ça devrait aller là. Hein? Allez, on continue comme ça pour l'instant. Il reste un quart d'heure à tenir encore. Zelenko qui est mort pour les 10 dernières minutes. Le problème c'est que Zelenko, je vais pas pouvoir mettre Ulibazev à la place. Ouais, voilà. C'est ce que je pensais. Je vais sortir. Je vais mettre. Mince. Bah attends, j'ai encore le droit à des changements du coup. Normalement, c'est 5 les remplacements. Bah oui. J'allais en faire que 3 moi. J'allais en faire que 3. Et hop, et on fait rentrer. Lutic à droite. Voilà, parfait. Absolument parfait tout ça. Voilà. Allez, les 5 dernières minutes. C'est vrai que j'avais déjà oublié que c'était 5 changements et pas 3. Attention, faut tenir. Pas se relâcher maintenant, les gars. Il se retourne pas. Non! Ouh là 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 là. Rulis qui a failli réussir une belle frappe lointaine là. Et on voit un hein, 10 frappes, 5 cadrés. Le ratio est plutôt bien. 3 buts sur 5 frappes cadrées. Et ça devrait faire notre première victoire de la saison là. Même si on souffre en cette fin de match, on souffre pas mal là. Et Link qui fait bien le petit dégagement. Oh, il y avait hors-jeu en plus. C'est parfait, c'est nickel. Ça devrait, là, monsieur l'arbitre, faut. Au sifflet là, pourquoi il y a encore des moments clés? Le seul qui aura pas fait son match au final, c'est Loakov. Peut-être un peu plus de mal en étant sur la gauche du terrain, Loakov. Alors qu'on a fait une main visiblement. Pas fréquent les mains dans Football Manager. Je trouve. Allez, c'est dégagé. Ivanov. Akpudje. Le centre. Oh, il est tout seul. Il est tout seul au second poteau. Heureusement, il la met loin du cadre. Et c'est fini. Premier match. Première victoire, du coup, pour nous. Absolument magnifique cette petite victoire contre Daugavpils. Ils ont très bien joué aujourd'hui, j'ai trouvé. À part Loakov qui était pas dedans, peut-être lui faire goûter un petit peu le banc. Qui sait, est-ce qu'il en a peut-être un petit peu besoin? On va voir. Hop, eh oui, impact immédiat, ça c'était bien. Il a superbement joué. Hop là. La conférence de presse. Premier but aujourd'hui. Ah, ça va lui faire du bien. C'est vrai que les deux buteurs sont deux joueurs qui commençaient aujourd'hui. Comme quoi le recrutement paye tout de suite. Ah, il a été cool. Je parlerai pas des prestations adverses. Remporter certaines décisions. Oula, on va éviter de parler des arbitres. Hein. Allez, c'est reparti du coup pour nous. Riga qui a battu Valmiras. RFS, ouais, bah. Riga, les Padja RFS qui sont déjà là. C'est normal. Et du coup, Valmiras met à Doncaspil, Spartak, Grobinas.
Nous, ce qui nous arrange là, c'est que Meta, Dogashpils et Grobinas ont déjà perdu. Ça nous permet d'être à peu près tranquille. On n'est pas encore au niveau de Valmiras et de Spartax, on le sait. Sur l'ensemble de la saison, ils vont sûrement nous remonter. Peut-être essayer de se débarrasser de Vieille-Galva. On peut tenter de finir cinquième cette année, je pense, en fonction du départ qu'on va faire là. Vous connaissez le programme, hein. Je mets en pause, je passe les 14 jours et on se retrouve tout de suite après pour le prochain match contre le Spartak, justement. Bon, on va revenir quelques instants, mais c'est juste pour vous montrer que c'est pas de mon fait. Le match Audax-Spartak est reporté pour cause d'inondations sur notre terrain à nous. Du coup, en fait, on va jouer Yegalva là dans 3 jours, mais eux, ils vont avoir lutté contre Dogashpils, donc ça, c'est plutôt cool pour nous. On va pas avoir à les faire. Dans la catégorie des mauvaises nouvelles, on a eu la blessure de Davlatov pendant la trêve hivernale. Minkiewicz est toujours pas remis. Enfin bref, il y a de la joie là un petit peu quand même. Voilà, c'était pour vous montrer ça et bah du coup on se retrouve pour Jigalva. Bien, nous voici de retour du coup avec cette fois le match contre Jigalva qui va pouvoir se faire. Ça n'a pas été annulé, tout va bien. Petit point de classement, Riga a déjà quand même 3 matchs joués, non, on n'en a qu'un seul. Tout va bien. On se maintient quand même bien. Si on gagne ce match contre Jegalva, on passe du coup en troisième place. Ça serait plutôt pas mal, je trouve. À voir si on va pouvoir. Oui, mais petit bug de l'affichage. Du coup, Devlatov qui est de retour, il va jouer et va se faire remplacer par Loakov. Mais on va pas lui casser sa dynamique. Mais oui, j'ai enlevé Loakov qui avait fait un match de merde, je lui fais goûter un petit peu au banc. Maintenant c'est ça, hein. Quand tu fais un mauvais match, tu goûtes au banc. Ça te fait du bien, tu reviens en forme. Et c'est parti! Allez, hop, hop, hop. Oui, on sait, on sait, on sait. Go! On veut le match, on veut le match! On n'a pas joué depuis 17 jours là. 17 jours sans match pour nos joueurs, ils ont intérêt à être frais. Oh là 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 là. Bon retour là de Konovalov. Zelenko, ça repasse par derrière. Allez, voilà. C'est bien, ça lance de l'autre côté. Le centre, et ça n'a pas suivi. C'est problématique quand ça ne suit pas. Allez, Krumins. Montre-nous, mon grand. Ouais, le beau centre, ça a dégagé des 2 points. Dommage, la balle est perdue. Voilà, hop là, Serrero récupéré. Krumins, faut pas qu'il y aille, faut qu'il reste un peu en retrait pour attendre. Là, Alpin, s'il va pouvoir centrer le centre sur la tête de Vaskevitch. Et le but de Dmitri Vaskevitch, qui est titulaire là, à la place de Loakov et qui montre pourquoi c'est pour son jeu de tête. Allez, parfait ça. Début de championnat qui serait absolument parfait, bien évidemment. Si on bat les concurrents directs, on peut se placer comme ça pour la suite du championnat. Et on abordera les matchs face à Valmiras, RFS, Riga et Liepaja beaucoup plus sereinement. Encore faut-il réussir à gagner tous les matchs, bien évidemment. Première minute de jeu 1-0. On est plutôt bien. Toujours pas de frappe pour Yegalva. 20e minute de jeu maintenant. Ça va, ça tient bien. Là, nos attaquants qui étaient très très loin. Je sais pas ce qui s'est passé là. Allez, au pressing. On est un bloc ultra pressing. Pourquoi tu lui laisses 25 mètres d'espace? C'est pas bien ça. Un Novik. Allez, Konovalov. Ah, peut-être un petit peu trop loin. C'est intercepté, mais Zelenko qui avait bien suivi. Ça, on peut relancer à nouveau Vaskevitch. Est-ce qu'il va réussir à centrer? Oui, pour Davlatov et son troisième but de la saison déjà en 2 matchs. Ouh, je sens que là, le petit joueur du Tadjikistan, ouais, Tadjikistan va nous faire beaucoup de bien devant avec sa vitesse et ses appels.
J'aimerais bien, avant la fin du prêt, là, qu'on réussisse à lui faire faire, enfin, lui faire avoir une sélection. Ça serait une très bonne chose pour lui. Alors que vous n'avez pas vu, mais Loakov a marqué son premier but international, d'ailleurs, avec le Tadjikistan. Allez, Novik. C'est raté, c'est pas grave. Konovalov avait bien suivi. Ça peut lancer Vaskevitch. Vaskevitch seul face au gardien. La frappe qui est totalement ratée. C'est pas grave. 2-0. On va féliciter. Quand l'adversaire a toujours pas fait de frappe et qu'on en a déjà fait 10, on peut féliciter. C'est que ça marche bien, le plan de jeu. On voit Grobinas en 4 matchs, ont mis 6 points. Nous, ça serait 6 points en 2 matchs. Voilà, c'est bien ce qui se passe pour nous. Allez, on est satisfait. Est-ce que quelqu'un fait un mauvais match? Non, personne là. Tout le monde fait son match correctement. Il y a Galva qui a enfin une première frappe. Attention quand même à pas se laisser. À voir, parce que s'il marque, ça pourrait être totalement différent, bien évidemment. Allez, Novik. Zelenko. Allez, c'est bien, là, ça renverse. Allez, c'est bien parti là, il faut réussir à centrer. Pour la tête de Vaskevitch, c'est dommage, un peu trop longue. Il n'a pas pu la ramener correctement. C'est bien, on continue. Alors que ça joue bien. Konovalov qui a un petit peu de mal là en seconde période, on dirait. Et Zelenko encore une fois qui intercepte. Oh là 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 là, mais quelle action! Mais quelle action! Et le doublé pour Vaskevitch, je sais pas pourquoi il avait affiché un but là, mais non, pas du tout, c'est un doublé! C'est un doublé pour lui. Oh là là, mais quelle action! L'interception, Vaskevitch qui relance, Davlov ici, bam, côté, hop, et ça remet dans la course. Incroyable! Incroyable! Fut un temps, on aurait dit c'est le Barça. Maintenant, on évite de trop le dire. Peut dire c'est le Bayern à la limite. Allez. On est bien là, on est très très bien. 3-0. Nos joueurs sont en très grande forme. Allez, 75e, on va faire trois changements. Davlatov, comme prévu, laisse la place à Loakov. Novich à Kozlov. Et on va enlever les deux cartons. Et je pense que les prochains, ça va être les milieux centraux. Voilà, la 80e, on va faire sortir. Voilà. 80e minute, on voit Zelenko, il est déjà cuit. On va sortir Zelenko. Et oui, ça moi. Ah non, on peut pas sortir Albin, ça est. Albin, on peut pas le sortir, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est pas très grave. On va attendre de voir aussi entre Konovalov et Zevchenko. Ah, ça aurait dû être Albin, hein, j'avais bon quand même là-dessus. C'est pas grave, on a un changement au cas où il y a une blessure de dernière minute. Toujours se méfier des coups de clim là-dessus. Avec les blessures, alors qu'on fait un all-in dans les changements, Konovalov, le centre, ouh, la frappe de Loakov et c'est le but! Et Konovalov qui aura sa petite passe D comme ça. C'est bien pour lui. Il aura fait sa petite passe D. Et Loakov qui va se mettre en confiance en arrivant à remarquer comme ça. Allez, Helling. Krumins. Krumins. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va. Ouais, voilà, donner à Alpins pour redonner à Senko. Et là, tu redonnes à Krumins qui peut aller centrer. C'est prévu comme ça. Ouh, c'est long. C'est beaucoup trop long. Konovalov, t'aurais dû la remettre pour Loakov. C'est dommage.
C'est dommage de ne pas faire le bon choix là-dessus. Mais bon, si on met 4-0 à Gigalva, on est plutôt bien. Cette tactique qui marche, hein. Elle crève les joueurs, mais elle marche bien. Maintenant, on a du banc pour faire tourner, donc c'est ça qui est une bonne chose aussi pour nous. Allez, Krumins, voilà, repasse par derrière, tranquille. Ouh, c'était tendu de faire ça, mais ça a l'air de marcher. Loakov, c'est dommage, il était hors jeu. Il aurait dû la laisser, il était en position de hors jeu. Vaskevitch ne l'était pas, il aurait pu même y aller avec son triplé. C'est dommage. Allez, c'est plutôt bien là. Du coup, 4-0. On ne pouvait pas demander grand-chose de mieux. C'est une superbe victoire. Ah, mauvaise note pour Loatsikov. Étonnant. Allez, on est bon là-dessus. On en a à combien de temps? En enregistrement 30 minutes? Est-ce que je vous fais méta ou est-ce que je le. Non, vas-y. Je vais couper l'enregistrement ici. Je garde méta pour la prochaine fois. Enfin, méta, Grobinas. Ça va faire un petit peu un bon programme quand même, hein, je pense. On a ce match en retard qui va aussi venir se caler à un moment. Je sais pas trop où. Eh, Vaskevitch qui n'avait pas marqué depuis un bout de temps hein, quand même. On va le féliciter pour sa prestation devant les buts. Il n'a pas marqué depuis combien de temps? 20 rencontres. Waouh. Waouh. 20 rencontres sans marquer pour Vaskevitch, c'était énorme quand même en vrai. C'est pour ça que Loakov était notre titulaire indiscutable à la fin. Hein. Ça a plutôt bien marché du coup. Peut-être Lotsikov du coup qui a mal joué. On va voir. Je vais gérer ça après. Je voulais regarder le calendrier qui arrive. Tac, tac, tac. Allez, vous savez quoi? Là, vu qu'on a eu que deux matchs, la prochaine fois, on se fera Meta, Grobinas, RFS et Riga. On fera tout là. Ça donnera une vidéo assez intéressante, je pense. Avec deux matchs à notre portée et deux matchs très compliqués. Mais en tout cas, ce début de saison qui démarre plutôt bien. Très clairement, on est bien parti là avec notre petit FK Oda. Troisième pour le moment. Bon, on va pas rêver sur le fait qu'on va y rester. C'est plutôt pas mal. Bien comme d'habitude, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Demain, c'est Motorsport Manager. Vous en avez l'habitude maintenant le mercredi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Petit commentaire, petit like, ça m'aide beaucoup dans le référencement YouTube. Ça m'aide à grimper un petit peu comme ça. Pouvoir un jour espérer vivre de ma passion. Pour les autres, bah c'est pas grave, continuez à regarder, ça me fait plaisir quand même si vous regardez mes vidéos, c'est déjà ça. Allez, si vous êtes encore là, merci beaucoup. C'était le coach Wiza. Ciao tout le monde.